Bonjour et bienvenue à cette célébration. Bienvenue à la chorale La Petite Bande, sous la direction de M. Dagenais. Il n'y a pas très longtemps, le 1er novembre dernier, nous avons fêté la Toussaint, c'est-à-dire que nous avons élevé notre regard vers le ciel et nous avons prié pour tous ces saints afin qu'ils puissent intercéder pour nous, toutes ces personnes qui n'ont pas leur nom au calendrier liturgique. Alors qu'aujourd'hui, nous portons notre regard dans ce monde présent et nous prions pour tous nos défunts, les vôtres, les nôtres et toutes les personnes chères qui nous ont quittés. Cette célébration d'aujourd'hui nous invite donc à raviver notre espérance face à la réalité mystérieuse de la mort, tout en priant pour ces défunts. Elle rappelle aussi la résurrection de Jésus et la certitude de notre propre triomphe sur le péché et la mort, dès maintenant et pour l'éternité.
Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus vivant soit toujours avec vous. Il convient au début de notre célébration de nous confier à la miséricorde de Dieu. Rappelons-nous que nous sommes ses enfants bien-aimés en communion avec tous nos fidèles défunts. Seigneur Jésus, tu as connu la mort pour nous donner la vie en plénitude. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu accueilles les personnes qui vont vers toi avec foi et espérance. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Prends pitié de nous. Et que Dieu... Et que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts. Pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères et sœurs défunts. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Sagesse. Les incroyants ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Notre existence est brève et triste. Rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie. On n'a jamais vu personne revenir du séjour des morts. Nous sommes nés par hasard et après, nous serons comme si nous n'avions pas existé. Le souffle de nos narines s'évanouit comme la fumée. Et la pensée est une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Si elle s'éteint, le corps s'en ira en cendres et l'esprit se dissipera comme une brise légère. Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli et personne ne se rappellera ce que nous aurons fait. Ceux qui parlent ainsi ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il en est en lui-même. La vie des justes est dans les mains de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux.
Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment. Mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils resplendiront. Ils étincelleront comme un feu qui court à travers la paille. Ils seront les juges des nations et les maîtres des peuples. Et le Seigneur règnera sur eux pour toujours. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour. Car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un Esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Plus que nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu. Héritiers avec le Christ à condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je vous invite fortement à méditer, à réfléchir sur les textes de la liturgie d'aujourd'hui, car ils sont très riches d'enseignements. D'abord, lorsqu'on regarde le livre de la sagesse dans la première lecture, on voit vraiment toute la nuance, toute la différence qu'il peut exister entre une personne croyante ou croyante et incroyante. Alors, c'est un très beau texte, alors que dans l'Évangile de Saint-Luc, il sera question davantage du service. En effet, tout au long de sa vie publique, le Seigneur donne l'exemple du service. Il ne fait pas qu'en parler, mais au contraire, il passe à l'action. Il le pratique, ce service, particulièrement avec les pauvres, les malades, les souffrants. Et pour ses disciples, qu'il forme et enseigne jour après jour, il fait l'éloge de ce service. Et il confirme lui-même auprès d'eux qu'il n'est pas venu pour être servi, mais justement pour servir. Dans l'Évangile de ce jour, il amorce un thème, soit celui de la nécessaire persévérance dans le service. Restez, nous dit-il, en tenue de service, gardez vos lampes allumées. Autrement dit, ne vous laissez pas distraire par toutes les préoccupations de ce monde, ces préoccupations qu'on pourrait qualifier souvent de futiles, mais soyez plutôt vigilants et vigilantes. Ce qui doit attirer notre attention en ce jour, c'est que le Seigneur montre le lien, l'étroite relation incontournable qui existe entre cette vigilance dont on parle et cette persévérance dans le service de Dieu et du prochain, ainsi que du bonheur, qui est le plus souvent présenté par le Seigneur comme une récompense à la fin de cette vie. Et il le présente souvent, cette séparation qui existe entre, par exemple, les vierges sages et les vierges insensées, entre les brebis et les boucs, entre les bons poissons trouvés dans le filet et les mauvais. Comme le pape émérite Benoît XVI l'a fait remarquer dans son encyclique qui porte sur l'espérance, la vertu d'espérance, le fait que Dieu rendra justice à chacun et chacune d'entre nous est une source d'espérance et elle l'est pour celui et celle qui, en cette vie, trime dur, comme on dit, peine, rame ou encore est persécuté pour la justice. Dans cet évangile, donc, le Christ ne fait pas allusion au sort de ceux qui,
ont été insouciants ou égoïstes. Ils braquent plutôt le projecteur sur le sort des fidèles, des personnes qui resteront fidèles à son message. Pour reprendre le ton des béatitudes, bienheureux les serviteurs que le maître trouvera en train de veiller à minuit ou encore plus tard. Prenons bien conscience, frères et sœurs, de cette récompense inouïe qui nous attend et qui attend évidemment tous ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi. Leur Créateur, leur Sauveur, celui à qui ils doivent tout, depuis la conception jusqu'à leur mort. Ce Dieu d'amour prend la tenue de service. Il les installe au banquet des noces de l'agneau, comme il dit, et il les sert chacun à son tour. Chacun d'entre nous, bien sûr, est pour notre Dieu un être unique, un enfant bien-aimé. Nous le disons très tôt lorsque nous baptisons les enfants. Dieu te connaît par ton nom, il t'a appelé et il t'aime. Vous allez retrouver ce même message dit autrement dans la deuxième lecture de Paul de cette liturgie. Il nous a donc créés pour un bonheur éternel et il nous comblera en permanence en répondant à ce besoin d'amour qu'il a inscrit lui-même au plus profond de notre cœur. Lui ne nous fera jamais défaut. Ses dons peuvent répondre à toutes nos nécessités et il veille sur nous comme un père, comme un frère, comme un époux. Nous savons bien, la vie terrestre n'est malgré tout pas toujours facile, mais le bonheur éternel qui nous est promis et proposé dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. C'est vraiment le triomphe de l'amour, l'amour donné, l'amour reçu, l'amour partagé. Amen. En souvenir de tous les êtres chers, nos frères et sœurs, qui ont connu la mort au cours de la présente année, je vais en faire la nomenclature. Et nous allons allumer un lampion près de l'autel pour signifier leur départ. Élise Baudet. Marie-Jeanne Hébert. Gilles Mallet, Lily Corbeil, Armand Lalonde, Gaston Legault, Madame Le Tillet, ainsi que tous vos défunts et les miens en souvenir.
Je vous invite maintenant à vous lever pour qu'ensemble nous professions notre foi en ce Dieu des vivants et non pas des morts. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ce jour de la commémoration solennelle de tous les fidèles défunts, prions pour ceux et celles qui doivent affronter l'expérience de la mort. Pour les personnes à l'article de la mort, afin qu'elles meurent dans la paix du Christ, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Soignants et les accompagnants, afin qu'ils accomplissent leur service dans la paix et la sérénité. Prions le Seigneur. Pour les personnes en deuil qui souffrent de la mort d'un être cher, afin que la promesse de la vie éternelle leur apporte consolation. Prions le Seigneur. Pour les membres de l'Église qui, à la suite des nombreux saints et saintes de tous les temps, révèlent l'amour inépuisable de Dieu et le visage de son Fils vivant, prions le Seigneur. Seigneur, la mort nous effraie, la mort nous afflige. Aide-nous à l'affronter avec lucidité et courage dans la résurrection de ton Fils, vivant, pour la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa vie. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que tous les défunts soient admis dans le royaume avec ton Fils, qui nous unit les uns aux autres par le mystère de son amour, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux et celles qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Thank you.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous sommes nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions spécialement ce matin pour M. Carlos Cordero, sans oublier toutes les personnes que nous avons portées dans notre cœur au cours de cette célébration et qui ont quitté ce monde.
Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes tous et toutes enfants de Dieu, nous dit le Christ, et nous n'avons qu'un seul Père. Aussi, comme lui-même nous l'a enseigné, et dans l'esprit de notre baptême, prions en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix entre nous. »
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Ouvre, Seigneur, à nos frères et sœurs défunts ta maison de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement de la Pâque. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Un grand merci à la petite bande.
Toujours un plaisir de vous accueillir. Alors, vous reviendrez, n'est-ce pas? Alors, merci également à toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin à cette célébration. C'est bien apprécié. En ce qui me concerne, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.